Salut, salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de C'était quoi déjà destiné à Tom Clancy Ghost Recon Advanced Warfighter. La petite révolution en fait qu'a connue Ghost Recon. Là on est sur l'interface principale, comme je vous ai montré j'ai créé un profil. Là vous avez l'onglet en fait avec les crédits, quitter mais on va éviter. Les options avec évidemment les options de jeu. Donc vous pouvez voir assez détaillé les contrôles, et comme vous pouvez voir là on a quand même un sacré panel de contrôles puisque ce jeu est vraiment orienté tactique, avec quelques changements qu'on va voir par la suite, puisque vous pourrez oublier quand même tout ce qui est planification. Ici évidemment les parties multijoueurs, donc en LAN ou en réseau. Et enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode campagne, avec le fait de commencer une nouvelle campagne. Donc voilà, très rapide par rapport aux anciens Ghost Recon, une sacrée révolution quand on voit, comment on appelle ça, le design et l'image. Donc un superbe travail et une superbe évolution. Il faut savoir que à la même époque, on avait Lockdown, mais avant. Dans la guerre des Rebels. Donc là voilà, on commence la mission par un saut en parachute. Capitaine Mitchell, hop, c'est parti. Voici la situation. Il y a deux jours, nous avons perdu un avion espion Tom Clancy, Ghost Recon, Advanced Warfight. On pourrait croire que c'est la deuxième génération, mais non, en fait c'est la troisième génération, puisqu'il y a eu entre temps un projet de faire un Ghost Recon deuxième génération qui n'a pas vu le jour en fait sur PC, mais qui a vu le jour sur PS, mais qui n'a pas laissé vraiment un souvenir si mémorable. C'était plutôt bâclé et pour ma part, c'était plutôt bâclé et ça ne m'a pas vraiment laissé un très bon souvenir. Par contre, celui-là m'a quand même mis une sacrée claque au moment où il est sorti, et je pense qu'il a mis une sacrée claque à tout le monde, tous ceux qui aimaient déjà Ghost Recon à la base et qui se retrouvaient là. Souci, c'est que par rapport au jeu de base, vous avez bien une escouade de 4 personnes. Là, évidemment, la première partie de la mission, on est éparpillé un peu partout dans cette ville de Mexico, puisque le théâtre des opérations se passe sur Mexico, il va falloir dans un premier temps trouver vos autres vos autres coéquipiers. Vous êtes Mitchell, le chef d'équipe. Donc voilà, là vous voyez, il y a mon parachute qui va rester derrière. Je vais courir et je vais pratiquement pas écouter les ordres qu'on va me donner pour tester ceci ou cela. Comme vous voyez, il y a des petits encarts en haut qui s'allument et qui vous disent un peu ce que vous devez faire et comment vous pouvez le faire. En bas, pour l'instant, vous n'avez qu'un onglet avec mon personnage, donc en bas à gauche. Le fait que le carré soit vert, vous veut dire que j'ai toute ma santé. Le fait que la silhouette est debout, veut dire que je suis dans la position la plus haute. Sur le côté à droite, vous avez mon arme principale avec les munitions et le nombre de chargeurs qui me restent, ainsi que la cadence de tir. Donc là, comme vous voyez, je ne cherche pas à comprendre, hein, je fonce, je vais chercher mon premier effectif, allez-y, tirez quelques balles. En espérant pas me faire shooter au passage. Donc Tom Clancy, Ghost Recon de Advanced Warfighter, c'est un jeu qui est sorti en 2006, qui a été développé et distribué par Ubisoft. Donc voilà, comme vous voyez les images, c'est quand même une sacrée résolution et un sacré changement en fait au niveau du design, avec des informations qui vous arrivent sur un petit écran en haut à droite. En haut à gauche en fait, c'est la vision qu'a votre collègue. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez voir, on va évoluer. On peut prendre le contrôle de la caméra, pas du collègue, mais de la caméra du collègue. C'est-à-dire qu'on le met dans un, on l'oriente quelque part. Ah, ça y est, ça commence. Donc vous allez voir, c'est quand même sans pitié. Ramirez,
ça canarde bien. Ah, ça y est. En plus, il faut bien faire la différence entre les ennemis et vos collègues. Parce que comme vous devez aller les chercher, ils vous attendent à droite ou à gauche, mais à savoir si c'est des ennemis ou des collègues, c'est pas toujours évident. Quelquefois, vous auriez tendance à shooter vos collègues. Donc lui, il s'est caché. Alors, par rapport à... Je vais faire un petit comparatif par rapport à Lockdown que j'avais démonté dans le précédent. C'était quoi déjà? On se retrouve avec un design au niveau de l'image qui est aussi bon. Au niveau de l'intelligence artificielle sur cet opus, elle n'est pas aussi catastrophique que Lockdown, pour autant elle n'est pas aussi aboutie qu'on pourrait l'attendre. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez la possibilité d'envoyer vos unités comme je le fais là. J'ai envoyé mon collègue donc se positionner au niveau des containers. Donc voilà, il est parti. Donc il le fait, sauf que quelquefois vous donnerez des ordres et ils ne le feront pas parce qu'ils seront bloqués dans le décor. C'est-à-dire que sur un coin de mur ou sur un coin de palissade, vu qu'ils seront coincés, ils resteront sur place alors que vous leur avez demandé de bouger. Donc il faut toujours surveiller ses coéquipiers pour être vraiment sûr qu'ils respectent les ordres que vous leur donnez. Donc là, je l'ai envoyé là-bas au coin. Je sais que mon deuxième collègue est là quelque part. Ouais, donc il y a les containers. Attention. Il doit être là. Ouais, il est là. C'est bon. J'ai récupéré donc un deuxième effectif. On va me demander de vérifier pas mal de choses avec. Mais bon, j'ai pas le temps. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Parce que vous allez voir, on enchaîne en fait une série d'événements. Je dirais pas de mission parce que franchement les missions seront vraiment perturbées. Ah, ça y est, je me fais tirer dessus. Alors il y a 5 minutes j'étais en train de regarder, il y avait rien, mais là je me fais tirer dessus. J'y suis. À présent, c'est derrière. D'accord. Vidéo, ah, c'était là où j'avais vérifié, si mais après, j'avais vérifié trop tôt. Voilà, c'est bon, on les a eu. Donc le ménage est fait. Ouais. Ok. Je vais quand même positionner. Donc toujours faire attention comment vous positionnez vos unités alliées. Parce que le problème, c'est que ça va très vite dans ce jeu. Donc là-bas, est-ce qu'il y en a? Non. Il me semble pas. Ok. Donc c'est une vidéo de démonstration. Hein. On fait le premier opus et après, comme ça vous permet de voir si vous aimez ce jeu. Ça y est, un de moins. Voilà, deux. Ouh, ça c'était chaud. Et lui, à bout portant aussi. Ok. Collègue, pas blessé, j'espère. Bien compris. Ouais, ça a pas l'air terrible au niveau de sa santé. Je crois qu'il s'en est pris quand même un petit peu dans la figure. Bon, on verra bien. En route. Donc toujours placé. Alors ça c'est vraiment intéressant, le fait de pouvoir placer de façon individuelle les unités alliées, ça vous donne vraiment une bonne proportion stratégique. Voilà, donc là on va placer un au coin. Attendez. J'ai encore du mal à le faire avec les touches parce qu'il y en a tellement. Par contre ça, vous voyez, un an d'écart avec le Rainbow Six Lockdown. Dans le Rainbow Six, on pouvait pas configurer ses touches. Et là, par contre, dans le Ghost Recon, on peut le faire. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que Ubisoft continue sa logique en nous permettant pas de pouvoir choisir les touches d'attribution. Ouais, alors là par contre, pour le toucher celui-là. Non, j'arrive pas, il va falloir que je m'avance. Donc le contexte, donc on est dans le Mexique, donc on intervient là-bas en sachant qu'on est un peu des super militaires, dans le sens où on est équipé quand même de pas mal de technologies. C'est-à-dire qu'on a des...
des protections quand même high-tech, ainsi que un système de communication qui est quand même assez, assez avancé. Vous allez voir au fur et à mesure les changements techniques en fait qui sont portés. Donc là vous voyez, on aurait pu croire que c'était un ennemi, mais en fait en s'avançant on repère sur l'épaule la tête de mort des gosses. Je suis grillé. Il m'a repéré. Je bouge. Donc voilà, vous voyez, on devait normalement sauver quelqu'un. Ça a changé, il va falloir qu'on évacue. Donc automatiquement, on a un nouveau point de chute. La mission est annulée. Je fixe un point de ralliement. Go. Donc voilà. Négatif. Trop d'ennemis dans le secteur. Rendez-vous au point de ralliement. Voilà, on a toujours l'objectif qui est marqué d'un carré vert, ou les objectifs, parce qu'il peut en avoir plusieurs, avec la distance en fait en mètres. Ok Mitchell, vérifions les informations du satellite à l'abri. Ça se trouve sur votre carte tactique. Je me mets derrière la palissade en espérant que par là il n'y ait personne qui arrive. Et là on va essayer, voilà, le cross. Donc vous voyez, je peux sélectionner mes unités directement et les envoyer, enfin les faire passer par différents points. Donc l'aspect tactique est toujours là quoi, en fait ils ont pas dénaturé le jeu de ce côté là. Vous devriez pouvoir donner des ordres. Voilà, et vous voyez mes trois unités évoluent en même temps. Ce qui fait que on a une facilité en fait à élaborer des plans, à contourner des immeubles, à prendre de revers des ennemis. D'autant plus qu'on peut repérer plus facilement les ennemis du fait de l'assistance satellite. Donc voilà, là on sait que c'est par là. Je me positionne un peu avant pour dire de pouvoir avoir un meilleur angle de vue et pouvoir plus facilement positionner mes unités. Donc voilà, première unité, je le mets au coin. Deuxième unité derrière la voiture en renfort. Et la troisième là-bas derrière l'autre voiture. En route. Et logiquement, ils devraient pouvoir se couvrir les uns les autres. En position. Voilà, donc est-ce qu'ils y sont tous ouais, le 1 est bien le parti. Le système fonctionne bien, Mitchell. Enfin, si un peu en retrait quand même. Ouais, bon, c'est mis en retrait. Moins oui, parce que ils ont une intelligence artificielle qui gère aussi leur façon de faire et des fois c'est un peu particulier. On s'attendrait par exemple à ce qu'ils pointent dans le sens où je regardais et en fait ils pointent dans le sens perpendiculaire, c'est-à-dire vers la voie ferrée. Donc c'est un peu les limites et c'est un peu dommage parce qu'on se dit que le jeu est tellement bien fait. Que on s'attendrait à ce que vos unités alliées obéissent au doigt à l'œil, mais il y a quand même des limites d'intelligence artificielle encore. Je me mets en position. Pour un jeu de 2006, il était vraiment bien. Et surtout, celui-là, en fait, ne dénature pas les premiers volets de Ghost Recon. Il reste stratégique. J'y suis. Et vraiment tactique. En position et en attente. Vous pouvez essayer de la jouer à la bourrin, mais à mon avis, ça va être vite réglé. Donc voilà. Pour autant, vous allez voir, hein, la première mission est pas la plus dure. Donc voilà, j'en ai placé un à côté de l'ouverture de porte. Je place le deuxième de l'autre côté des poutrelles et je place le troisième de l'autre côté de la rue. J'y vais, chef. Moralité, logiquement, ils devraient pouvoir aussi se couvrir les uns les autres. Hop. Et en moi, position. J'avance tout doucement. Pour être sûr de pas en position. De pas être à la traîne par rapport à mes unités, de pouvoir intervenir au plus vite si jamais ça se met à tirer. Parce que comme vous avez vu tout à l'heure, il avait pris l'initiative de foncer de l'autre côté de la rue. Et le souci c'est que il s'était mis dans. En position et en attente. Ah voilà, vous voyez là déjà ma première unité ne se met pas. Voilà, c'est bon, elle est arrivée. Et donc maintenant je vais pouvoir l'amener jusqu'au. Alors, ça c'est des bugs de collision avec le décor, mais ça peut être aussi des bugs de collision entre collègues. C'est-à-dire que si le collègue numéro 1 touche le collègue numéro 2, il y a de fortes chances que le collègue numéro 2 arrête sa progression. Et se retrouve bloqué à l'endroit où il est rentré en contact avec l'autre. Donc voilà. Ici on va en placer un. Oui, chef. Je suis désolé, il me faut toujours un petit temps d'action parce que c'est vrai que j'ai paramétré mes touches, mais en fait, j'aurais pu optimiser le paramétrage en fait. Donc là, voilà, cette ouverture-là, faut s'en méfier. La rue aussi.
Donc je vais en placer un troisième là. Oui chef, j'y vais. Qui pourra couvrir. Pendant ce temps là je vais progresser, je vais me mettre à l'abri quand même derrière. Voilà, donc lui il peut viser à travers l'ouverture. J'y suis. Ok. Je vais en placer un là. Et au fur et à mesure en fait on avance vers, vers l'objectif en essayant de se couvrir. En position et en attente. Ok. J'avance, est-ce qu'il y a... Il y a pas l'air. Ça a l'air plutôt calme. Mais le problème c'est que les ennemis apparaissent de façon spontanée et des fois vous avez l'impression que c'est hyper calme et vous vous retrouvez avec un ennemi qui apparaît juste à 1 ou 2 mètres de vous quoi, et qui se met à vous canarder. En position. Ce qui peut être un peu embêtant, surtout sur un jeu stratégique. En route. C'est peut-être le deuxième souci qu'on peut trouver dans ce jeu, qu'on pourrait trouver à reprocher à cet opus de Ghost Recon. C'est que, un, l'AI est un peu défaillante sur les placements, et deux, le spawn en fait des ennemis peut vraiment vous mettre en difficulté, dans le sens où il va vous faire apparaître un ennemi même pas quelques mètres de vous. J'y suis. Donc voilà, là je surveille. Donc comme vous voyez, j'en ai mis un du côté du mur, j'en ai mis un deuxième du côté des poutrelles qui veut pas y aller. Si, ça y est, c'est bon, c'est parti. En fait, il a dû. Ouais, voilà. Il a dû. J'y suis. Avoir une collusion avec un de ses. Donc là, vous voyez, regardez, il y a rien. Je me mets en position. Je fais avancer mes unités puisqu'il y a rien pour les bêtes à l'abri. J'y vais, chef. Ça devrait aller, et sauf que voilà, donc vous avez deux ennemis qui sont apparus là-bas derrière le semi, enfin derrière la remorque du moins, et c'est le genre de choses que je vous disais en fait, ça aussi c'est une particularité du jeu. On a une aide tactique aérienne, c'est-à-dire qu'on met à disposition aussi des drones. Donc de la même façon qu'on peut prendre le contrôle des caméras des collègues. Donc là vous voyez, j'ai sélectionné le drone et je vais l'envoyer sur une aire, parce qu'en fait on doit rechercher une personne qui est en difficulté, essayer de la localiser et la mettre en sécurité. Donc là j'envoie le drone, bon, je me suis un peu porté, j'ai été un peu trop bas. Donc là on voit le drone en losange au rouge. Et voilà, je prends le contrôle de sa caméra. Et donc comme vous voyez, je peux voir à la fois la personne que je cherchais, ainsi que les effectifs ennemis. Ce qui me permet de les cibler plus facilement, puisque le drone me donnant la position des ennemis, je sais à peu près où ils se trouvent. Et j'ai plus qu'à évoluer pour essayer de les prendre en porte-à-faux. Donc là ça canarde sec parce qu'il y a des hélicoptères qui passent. Ah voilà. Comme vous voyez, il y a eu un hélicoptère qui est passé et vous voyez qu'il est pris pour cible. Donc là les mecs ont des fusils mitrailleurs, mais il faut savoir qu'il y a aussi des lance-roquettes. Et donc le but va être de faire le ménage. Donc comme vous voyez là avec le plan, les petits losanges orange en fait c'est nos ennemis. Et donc il va falloir progresser tout en éliminant les ennemis. Alors je vais pas vous mentir, vous allez entendre à peu près deux fois le même discours là actuellement. C'est parce que j'ai dû couper la vidéo dans le sens où j'ai mal géré et en prenant en fait une rue, j'ai pas fait attention en hauteur, il y avait un mec équipé d'un lance-roquette. Et je me suis fait dégommer par lance-roquette. Donc là en fait, ma vidéo en fait elle devrait être en deux parties. Il y a une partie d'origine et il y a une partie que j'ai rejouée, que j'ai recommencé, j'ai repris à la dernière sauvegarde si vous préférez. Donc voilà, les hélicos qui surplombent, là ils vont en avoir, voilà c'est tout. Alors hormis les deux détails que je vous avais dit tout à l'heure, qui sont l'AI un peu faible sur les déplacements ou les positionnements du moins de vos coéquipiers, ainsi que le spawn en fait des ennemis de façon assez brute et puis qui peuvent être assez proches de vous et vous mettre en défaut alors que à la base ils ne sont pas signalés.
Hormis ça, ce jeu reste quand même assez jouissif à jouer. Vous êtes quand même à la tête d'une escouade d'élite, le Ghost. En plus, équipé comme c'est pas possible. Alors, petit problème, c'est que au tout début, vous choisissez pas en fait votre équipement. Ou alors, c'est que j'ai loupé une étape, mais de mémoire, comme vous avez vu, il y avait rien pour dire de s'équiper différemment. Donc, au tout début, mais je pense que c'est parce que c'est la première mission, vous avez pas ce choix. Vous n'avez pas de choix non plus dans les coéquipiers, mais bon, dans les premiers opus de Ghost Recon, c'était pareil. Le seul truc, c'est que vous pouviez choisir votre camouflage ainsi que votre armement. Là, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, vous pouviez choisir vos effectifs puisque vous pouviez sélectionner des snipers ou fusiliers ou autre. Là, on perd un peu cet aspect-là. On a 4 effectifs et on fait avec ces 4 effectifs. Et le but étant de les amener à la victoire. Donc là vous voyez, tac, j'en ai un. C'est des snipers. Le problème c'est que des fois vous allez pouvoir les tuer d'une balle. Et quelques fois en fait vous avez l'impression de les avoir tués parce qu'ils tombent à la renverse. Mais en fait ils se relèvent. Et donc si vous faites pas attention vous risquez de vous faire dégommer. Excusez-moi, j'ai encore du mal à manipuler... Donc là, on y va, on se positionne, hop, donc ici, là-bas, il y a une sulfateuse, donc, ok, j'allume un peu au hasard parce que en fait, il faut vraiment réussir à voir la sulfateuse, et le problème, c'est que là, je peux pas trop me permettre de rester trop longtemps parce que s'il y a quelqu'un qui va dessus, je vais me faire dégommer. Donc je mets ma deuxième unité en couverture, ma première unité je l'envoie là-bas au coin. Oui, chef, je mets aussi à l'abri. En position. Et il bloque. Ouais, il bloque. Donc vous voyez, c'est pas grand chose, mais en fait ça devient vite énervant. Donc là je suis obligé de le bouger là, voilà. Et maintenant que je l'ai bougé là, je vais pouvoir l'envoyer là-bas. Bien compris. Au mieux de l'envoyer directement. Donc après, mais bon, enfin, je veux dire, le jeu reste quand même de qualité. Donc ici, il faut que je fasse attention, c'est là où je suis mort. Parce que comme vous voyez, tout là-haut, voilà, lance-roquette. Donc là, je l'ai eu. Non, vous voyez, il est tombé, et maintenant, je l'ai eu. Et c'est lui qui m'a explosé juste avant. Donc, faire très attention. Parce qu'on a l'impression que c'est très facile, donc on se mettrait à courir assez facilement dans tous les sens. Comme vous voyez, il y a des objets qui font du bruit, on peut shooter dans des canettes et tout le reste. Et donc attirer l'attention de l'ennemi. En position et en attente. Je mets mon troisième effectif en couverture. Et donc là, attention. Alors le problème aussi des losanges roses, c'est que vous avez l'impression qu'ils sont peut-être là juste en face, alors qu'en fait ils peuvent être derrière des murs, ils peuvent être à l'abri derrière des caisses. Donc là voilà, je l'ai vu. Je l'ai eu. Là il y en a 3, mais je pense qu'il y en a 2 qui sont à l'intérieur et il y en a un troisième qui doit être sur l'extérieur. On va vérifier ça après. Vous voyez le drone qui est en hauteur. Après, selon la grosseur du losange, vous pouvez savoir si l'ennemi est près ou loin. Là, par exemple, vous avez 4 unités là-bas. Ils sont loin. Bon, j'essaye de vérifier quand même. Mais comme vous voyez, les losanges bougent, mais en fait, on les voit pas. Donc, ils sont derrière le mur. Et il doit en avoir un là qui est caché derrière la voiture. Mais on va essayer de trouver un autre angle d'attaque parce que là, c'est un peu chaud. Surtout que c'est l'entrée principale, même si je suis couvert par ma deuxième unité. Mais voilà, j'ai placé ma première unité sur le flanc gauche. J'ai mis ma deuxième unité sur le milieu, donc qui a une vue directement. Ah, c'est bon. Qui a une vue directement sur l'entrée principale centrale. Et là, avec ma troisième unité en renfort, j'essaye de passer par le flanc droit. Contact. Y en a un autre. On voit le canon dépasser, c'est bon. Ok. Donc voilà.
Donc quelques points noirs à ce jeu, à ce troisième opus, enfin à la troisième génération de Ghost Recon, mais comment dire, ça reste quand même très très intéressant. Enfin pour moi, je préfère ce genre de jeu que d'autres jeux de stratégie qu'on peut connaître, enfin de guerre du moins, parce que jeu de stratégie, on n'a pas tant que ça en fait. Donc là c'est bon, j'ai mis ma troisième unité en couverture, je vais commencer à évoluer vers l'intérieur. Donc là pareil, ici je sais qu'il y en a un, je le vois en dessous, donc shooter, c'est bon. J'ai un autre objectif là, donc il doit avoir un lance-roquettes de ce côté-là, puisque je dois intercepter tous les lance-roquettes en fait pour permettre aux hélicoptères de pouvoir approcher et à la fois nous embarquer et par la suite embarquer aussi le collègue blessé. Donc là j'avance, je me lève pas, je reste accroupi là parce que vous allez voir il doit avoir une unité qui est là-haut à l'intérieur. Ouais voilà, là, juste là. Bon, je l'ai eu. Enfin, je préfère vérifier quand même parce que le problème c'est qu'il faut pas hésiter. Hein. Si vous hésitez et que l'unité est encore en vie, vous pouvez être sûr qu'elle va pas vous louper. Donc voilà, j'utilise le décor pour dire de me protéger, en même temps j'évolue et j'essaye d'éliminer un par un les effectifs. En position. Là, on doit en avoir quelque part. Là-bas. D'accord, on a deux. Ok. Donc en fait, bon, il est tombé et là, le problème c'est qu'il se planque derrière les... C'est bon, je l'ai eu. Ok, c'est bon. Ouais. Truc aussi, c'est qu'il faut faire hyper gaffe à ses munitions. Comme vous voyez, là, je tire au coup par coup, parce que en rafale, ça part vraiment très très vite. Et comme vous voyez, on n'a pas non plus des munitions illimitées. Donc, il y a aussi une gestion des munitions. Donc, quand on dit que c'est vraiment un jeu tactique et stratégique, oui. Parce qu'il y a quand même des gestions à avoir, que ce soit la gestion de l'évolution dans l'espace, pour essayer de se couvrir les uns les autres et de prendre le moins de risques, ou que ce soit aussi la gestion du matériel. Voilà. Là encore, c'est les premières missions, donc ça va, c'est assez simple, mais ça se corse au fur et à mesure. Et là encore, on est sur des rues externes et tout le reste, mais des fois, il faut rentrer dans des bâtiments. Et je peux vous assurer que quand c'est du combat en localité, la tension est là, quoi. Surtout que vous pouvez perdre des unités assez facilement. Hop. Donc là, j'ai envoyé ma troisième unité sur le côté pour couvrir. Et je vais envoyer ma deuxième unité de ce côté-ci. Enfin, un petit peu plus proche, peut-être. Ben, voilà, là. Pour dire de couvrir sur l'autre flanc. Je suis en position. Et me permettre de progresser plus facilement. Ok. Y a un... Non, c'est de l'autre côté. J'y suis. Donc vous voyez, on a toujours le doute de se demander où est l'ennemi, s'il est de ce côté du mur ou pas. Là par exemple, je sais qu'il y a un deuxième losange là-bas en rose. Ah voilà, il est à l'entrée. En fait, il couvre l'entrée, mais il ne voit pas. Puis... Ah, je l'ai touché, je l'ai propulsé avec l'impact. Ça y est, il revient. C'est bon. Je l'ai eu. Donc, on va aller voir par là. Je vais mettre en couverture quand même une unité. Donc, ma deuxième unité vient ici en couverture, comme ça que je peux avancer tranquillement. Si jamais un ennemi me fonce dessus, je peux me cacher derrière le muret. La deuxième unité devrait pouvoir le dégommer. Donc voilà. En position. Ok, on est bon. Je regarde. Ouais, c'est bon. Je vais prendre ma troisième unité. Comme vous voyez, je suis pas obligé de me déplacer pour aller et je l'envoie là-bas. En route. Et hop. Et normalement elle va le faire. En espérant qu'elle bug pas et qu'elle se cogne pas à l'environnement, parce que sinon elle va arrêter sa progression. Alors c'est pas toujours bugué, hein. Il va pas toujours avoir des problèmes de collision. Mais c'est vrai que quand ça arrive, c'est chiant.
faut vraiment réussir à reprendre les choses. Et des fois on n'a pas le temps, les ennemis arrivent sur vous, vous n'avez pas le temps d'essayer de repositionner 3-4 fois la même unité quoi. Sinon vous en sortez plus. Et c'est le souci un peu de ce jeu. Mais bon, comme vous voyez, c'est vraiment très agréable à jouer. Moi personnellement, même si ça peut être rageant sur certains égards, notamment les deux points noirs que je vous ai relevés, ça n'occulte pas le gameplay et puis la profondeur de jeu et tout, et le plaisir à jouer avec ce jeu en fait. En route. En sachant que il y a aussi un add-on à ce jeu, donc il faut que je vois s'il fonctionne. Si jamais il fonctionne, j'essaierai de vous montrer la première mission aussi de l'add-on. Donc Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Mais là on est sur le premier opus. J'ai demandé à ma première unité de me rejoindre. Donc elle devrait arriver. Je vais le positionner de ce côté-ci pour qu'il puisse couvrir cette entrée-là. On dira que c'est l'entrée numéro 1. Donc hop, en position. Voilà, je positionne. Normalement il devrait arriver. Ouais, il court. J'espère qu'il va pas bloquer. Ça me permettra de libérer ma deuxième unité et de la mettre sur l'entrée principale et récupérer ma troisième unité pour en position et en attente. Pour progresser avec moi et venir me couvrir. Ah zut, j'ai loupé la marche. Ok, donc voilà, et je vais mettre ma deuxième unité ici au cas en route. Il y aura encore certaines forces ennemies qui essaieraient de rentrer. Et là je vais vers la troisième sortie. Comme vous voyez, il y a mon troisième effectif qui m'attend là. En position. Il est caché derrière la remorque. Donc voilà. Donc, deuxième unité, c'est ok. Voilà. Je prends le drone. Je vais repositionner le drone en fait pour essayer de voir derrière le bâtiment. C'est quand même un sacré avantage ça. Donc, voilà. Donc, ma première unité, deuxième unité, ouais. Troisième unité, c'est bon. Donc là je positionne, ah là vous voyez il y a de la fumée, donc à mon avis ce sera pas optimisé pour la vision. Hop. Allez. Bon, et comme vous voyez c'est pas précis un drone hein. Vous le positionnez à peu près. Donc là il y a un lance-roquette, il y a intérêt à ce que je fasse gaffe. Je le fais un peu évoluer parce que selon l'angle où il sera, il va voir plus ou moins de choses. Le problème, c'est que pour l'instant, il ne voit pas trop, hormis l'objectif principal. Donc je vais le décaler un petit peu et essayer de voir ce que ça peut donner. Ok, il va revenir. Voilà, c'est bon. Ok, bon bah on va progresser. Il a l'air d'avoir rien pour l'instant. De toute façon, si des ennemis apparaissent, il va les marquer sur notre viseur. Enfin, sur notre écran. Donc, comme vous voyez, pas mal de technologies. Je pourrais aussi m'amuser à prendre contrôle de la caméra du drone. Comme je peux, là, vous voyez, j'ai mes trois unités sur chaque entrée. Je pourrais m'amuser de passer d'une unité à l'autre au niveau de leur caméra. Pour dire de voir ce que eux aperçoivent en fait. Mais bon, pour l'instant j'en ai pas l'utilité. Moi ce que je voudrais c'est réussir à finir l'objectif en tuant le dernier ennemi qui a la capacité en fait de lancer des roquettes, enfin des missiles. Hop. En route. Toujours se couvrir parce que quand ça commence à canarder en fait on n'a plus trop de la possibilité de placer ses unités et on n'est pas à l'abri qu'il y a un bug, donc autant le faire tant que c'est calme. Donc là je vois deux unités, donc vous voyez par rapport à tout à l'heure les ennemis sont apparus. Je vais rapprocher quand même. Cible abattue. Ah.
Ok. Bon, eh ben mon collègue a fait le boulot pour moi. Il a démonté. Il a tué, il a éliminé le dernier effectif qu'on avait à éliminer. Donc en gros, on peut partir. Là, on doit partir au point d'extraction, puisqu'en fait, le président est en danger. Donc il faut qu'on regagne au plus vite un hélicoptère pour aller lui porter secours. Bien pris, général. Allez, c'est parti. Ghost Leader, on a récupéré Ramirez, grièvement blessé. Il faut évacuer au plus vite. Rejoins le toit pour extraction immédiate. Je sélectionne tout et j'envoie sur le haut. Oui, chef, j'y vais. Logiquement, ils devraient tous partir. Donc là, je vois une unité, l'unité 2 qui est bien partie. Sniper. Ouais, l'unité 2 est en train de le faire. Je sais pourquoi ça tire. Oula, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est le canard de sec. Il y a un problème là. Pourquoi ça tire? Ah, et puis ça se déplace. Là, j'ai des ennemis qui vont se déplacer. Ça risque d'être chaud. Le problème, c'est que l'unité 2 progresse, donc je vais essayer de la sécuriser. Parce que là, il est en train de foncer le mec. Mais je risque de l'envoyer à la mort sans vouloir. Donc, tac, c'est bon. Ah, celui-là je l'ai pas loupé. Donc voilà pourquoi j'ai sécurisé l'équipe 2 et là il devrait en plein dessus. Bon bah là j'ai pris cher. Ouais, là je suis en rouge. Donc vous voyez le carré tout en bas à gauche est passé au rouge, c'est-à-dire que là je suis dans un état critique. Faut que je fasse hyper gaffe. Donc ce que je comprends pas, c'est que mon unité 2 a bien ciblé l'hélicoptère et est en train de faire ce que je lui ai demandé. Par contre, la 1 et la 3, comme vous voyez, ils suivent absolument pas. Donc ils ont été bloqués, je ne sais pas où. Ils sont où? Donc là, la 1, elle a pas bougé. Donc elle est bloquée. Vous voyez, le tracé est bien fait. Sauf que techniquement, elle ne le fait pas. Va falloir que j'aille la rechercher ou je peux la déplacer. Non, elle est bloquée là. Et l'autre unité, elle est où? Normalement, elle devrait être sur le côté. Je la vois pas. Oula, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Ah oui, il faisait le tour carrément du bâtiment, lui. Il a été se foutre en plein là où il y a les ennemis, en fait. Donc, est-ce que je peux le débloquer et le faire revenir? Non. Non. Ouais, donc là ça devient problématique. Parce que, en gros, vous voyez, c'est un peu les limites de l'IA, en fait, de l'intelligence artificielle. C'est que, voilà quoi, là ça bug. Donc en fait, sur l'ordre que j'ai donné au groupe d'aller à l'hélicoptère, il n'y a qu'un effectif qui a réussi à mener à bien l'ordre. Donc là, il faut que je redescende. J'aurais déjà fini la mission et le souci c'est que je vais me taper je sais pas combien de minutes en plus. Tout ça pour aller chercher mes effectifs là où ils sont. Donc voilà, on tourne. Et je suis retombé. Vraiment j'ai pas de bol avec cette marche là. Enfin ce quai. Donc voilà. Donc il est où lui? Est-ce que je peux le ramener là? Bien compris. Ah bah là... Bah là il se débloque. Ouais. Ouais. Ou alors il y a quelque chose qui ne comprend pas. Ou alors il faut peut-être être dans un certain périmètre pour dire de donner un ordre. Mais bon, ça me paraît assez bizarre puisque on a tous des casques, on est tous équipés de technologie. Et là si je l'envoie, est-ce qu'il le fait? Je me mets en position. Et le 2, ok, le 2 il est là. Il reste à côté de l'hélicoptère mais bon, pas dedans. L'unité 1, est-ce qu'elle peut y aller? Toujours pas. Ici, je mets là. Non, vous voyez, c'est laborieux. Bon, je vais être obligé d'y aller, de le faire avancer au fur et à mesure. Donc, allez, c'est parti. Va falloir le faire évoluer au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est bon. En route. Excusez-moi, j'ai encore un problème avec les touches. Oui, chef, j'y vais.
là c'est bon, au moins il est à l'intérieur. Je vais aller chercher ma troisième unité avant qu'elle se fasse dégommer, parce qu'elle a été à se mettre quelque part où fallait pas. Ok. On va y arriver, on va y arriver. Le problème aussi c'est que moi je peux plus me permettre de prendre trop de risques, parce que comme vous voyez, je suis déjà dans le rouge. Et donc ça je risque de le payer. Donc on en est où? Ouais voilà, l'ennemi est en haut. Problème, c'est... je vais pas prendre de risques. Parce que je pourrais m'amuser à essayer de le dégommer tout le reste, mais peu que je loupe beaucoup. Je pense que une balle et c'est terminé pour moi. Donc on va essayer d'éviter au maximum. En route. Il me suit. Est-ce qu'il me suit? Ouais. Ok. On progresse. Hop. En route. Je l'envoie là-bas. Il avance. Ouais, il avance. C'est bon, au fur et à mesure. Ah non, il a bloqué. Il a bloqué. Donc vous voyez là, si j'avais pas fait attention, je le laissais derrière moi. J'y vais, chef. C'est un peu dommage quoi, hein, parce que franchement, hormis ces deux petits points noirs là dont je vous ai parlé, il y aurait ce jeu aurait été vraiment splendide. J'y suis. Mais bon, moi j'adore cette gamme. J'y vais. Ghost Recon. De toute façon, en général, j'adore cette gamme Tom Clancy, que ce soit Ghost Recon, Splinter Cell ou Rainbow Six. Ok. Donc là, maintenant, il va falloir les faire évoluer tous les deux. En espérant qu'ils arrivent à me suivre. Si je me gourde de touche, ça va pas le faire. Ok, on avance. Alors. Position. Alors, je vais essayer d'éviter les passerelles parce que c'est le meilleur moyen de les envoyer à popette. Je vais essayer de trouver des lieux durs, sol dur. Voilà, c'est bon ici. C'est bien rappelé là. Déjà, ce serait déjà pas mal. Oui, c'est aussi. Qu'est-ce qui bouge? Ouais, il bouge. Donc, voilà. Ce sont des moments d'accélération. Position. Pourquoi il s'est arrêté là? Donc voilà, j'ai mon unité 1 qui s'est arrêtée, donc je suis obligé de la relancer. Donc vous voyez, c'est vraiment laborieux sur les progressions. Logiquement, j'avais fini la mission il y a déjà au moins une dizaine de minutes quoi. Et c'est simplement le déplacement qui me prend un temps dingue. En position et en attente. Après, j'aurais peut-être dû essayer d'aller à l'hélicoptère moi-même, rentrer dedans et voir si jamais il venait. Mais bon, le problème c'est que je sais pas si je pouvais redescendre de l'hélicoptère si jamais il venait pas. Donc là, voilà. Là, j'ai l'unité 2. Ok. Donc là, je sélectionne toute l'équipe et je l'envoie là-dessus. Est-ce que ça va marcher? En route. J'espère qu'ils vont pas se barrer. Donc le 2 est là. J'espère qu'il va pas redescendre. J'y suis. Ouais, ça me fait peur tout ça. Il semblerait. Ouais, il semblerait qu'il y ait une unité qui rejoint l'unité 2 pour monter dans l'hélicoptère. Par contre, l'autre elle est bloquée ou quoi? Non, il se Oh. Vous voyez, quand ça fait des allées et des venues comme ça, avant-arrière, c'est que souvent votre unité a bien compris l'ordre que vous lui avez donné. Seulement, elle essaye de trouver le moyen de le mettre en application. Donc elle fait des allées et venues. Mais au bout d'un moment, elle se stabilise et elle arrête. Donc là, non, c'est bon. Donc ok, on va pouvoir partir. Donc voilà, c'est la fin de mission. Logiquement, donc je répète, hein, Tom Clancy Ghost Recon Advanced Warfighter, le premier opus, donc qui a été fait, qui est sorti en 2006, édité et développé par Ubisoft.
sacrée évolution hein, quand même au niveau esthétique et au niveau technique, c'est vraiment bluffant. Mais avec ce petit point noir qui est l'intelligence artificielle au niveau des placements et des positionnements de vos collègues et aussi au niveau du spawn de vos ennemis. Donc voilà, on est sur le débriefing. On ne suit que Mitchell, hein, qui est le chef d'équipe. Donc voilà, on a la durée de la mission, on a vraiment les différents critères pour dire d'évaluer votre mission. Le nombre de morts, le taux de réussite, les balles mortelles, enfin voilà quoi, tout ça. Donc voilà, c'était un nouvel épisode de C'était quoi déjà, en espérant que ça vous a permis de découvrir ou de vous remémorer de bons moments de jeu avec cet opus des Ghost Recon, le Advanced Warfight. Voilà, j'espère que cette série continue à vous plaire et qu'elle vous fait découvrir pas mal de choses. Je vous laisse un peu sur l'écran principal parce qu'il y a quand même de superbes cinématiques aussi. Donc voilà, je vous laisse un peu profiter. Moi, je vous souhaite de bons jeux. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de C'était quoi déjà. Hop. Allez, salut. Bye bye tout le monde et bon jeu. Au revoir.